Une nouvelle période d'incertitude s'ouvre au Liban. Le Premier ministre Saad Hariri a créé la surprise en annonçant sa démission ce samedi depuis Riyad en Arabie Saoudite. Sa déclaration a été retransmise par la chaîne Al Arabiya. Le chef du gouvernement libanais dit craindre pour sa vie et met en cause le Hezbollah, le groupuscule chiite armé soutenu par l'Iran. Bien sûr que ça ira de mal en pis parce qu'Hariri a beaucoup fait pour le pays. Il lui a permis d'éviter des guerres. Il a empêché que le terrorisme ne le frappe, mais maintenant il a démissionné malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il a subi des pressions de l'Arabie Saoudite ou parce que le Hezbollah refuse de rendre les armes. C'est pareil, estime cet habitant de Beyrouth. Avec ou sans lui, le pays est bloqué. C'est toujours la même chose et ça recommence. Quoi qu'on lui dise de faire, il le fait et c'est tout. Saad Hariri accuse le Hezbollah d'opérer une mainmise sur le Liban. Il a comparé le contexte actuel avec la période qui a précédé l'assassinat de son père Rafik Hariri en 2005, un acte qu'il a imputé au régime syrien et pour lequel plusieurs membres du Hezbollah ont été mis en cause.